Bonjour, merci de nous retrouver. Salam alaikum, bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. Pour ce numéro, nous allons traiter d'une problématique qui reste relativement importante, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue de la santé. Il s'agit de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Un phénomène de santé publique déclaré depuis 2014 par l'OMS de la sorte. Avec nous pour en parler le docteur Hossein Gassem. Hossein Gassem, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pharmacologue, spécialiste, pharmacien spécialiste en pharmacologie. Vous êtes chargé de cours au département de la faculté donc de Batna. Vous êtes co-rédacteur de la revue Batna Journal Medical of Sciences. Vous êtes également le président de la commission exerce ses qualifications au sein du Conseil de l'Ordre et vous avez un certain nombre d'articles scientifiques importants sur la question. Donc de cette résistance bactérienne aux antibiotiques. C'est moi qui vous remercie. Je suis honoré d'être l'invité du Pharma Group, de partager ces quelques moments avec nos confrères pharmaciens. J'espère qu'on va les éclairer un petit peu quand même sur cette question de résistance qui est quand même une épineuse question qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Tout à fait. Alors, on va introduire tout de suite la question avec des données en matière économique, hein. Les antibiotiques ont constitué une grosse part dans la consommation des médicaments, autant à l'échelle mondiale que dans notre pays. Ils étaient pratiquement en tête il y a quelques années. Maintenant, même s'il y a un rebasculement vers les autres classes portant sur les maladies chroniques, depuis aussi de la pénicilline, hein, lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu une explosion de cette consommation-là. Alors, est-ce que vous pourriez nous situer un peu les enjeux tant économiques que sanitaires, ou peut-être surtout économiques, des antibiotiques, peut-être d'abord à travers le monde et ensuite dans notre pays? Eh bien, on va commencer d'abord par nous situer par rapport au phénomène de résistance qui nous concerne justement. Donc, malheureusement, il n'y a pas de données précises chez nous en Algérie, mais par exemple, si on prend l'exemple de l'Europe,
Et on a 25 000 décès par an. C'est pas Non, rien, c'est non, c'est oui. énorme. 25 000 décès causés par des bactéries multirésistantes. Donc des bactéries pour lesquelles il n'y a pas de molécules qui peut agir dessus. C'est Et vraiment ça, inquiétant. c'est énorme. Donc Oui. en disant Europe, c'est vrai qu'on n'a pas nos chiffres, mais c'est déjà important par rapport à une communauté européenne qui a quand même une certaine avancée par rapport à nous dans la maîtrise et la gestion des ce qu'on appelle les infections associées aux soins, D'accord. anciennement appelées nosocomiales, D'accord, donc les très bien. infections nosocomiales. Par rapport aux données globales de la consommation des antibiotiques à travers le monde, on peut citer par exemple les États-Unis, on va prendre la première puissance mondiale, qui en 2012, 2011 plutôt, ont produit 13 500 tonnes d'antibiotiques Oui. rien que pour l'usage animal, entre 3 humains. Oui. Et en 2005, on a le chiffre qui est annoncé par les Américains, qui est de 38,4 milliards de dollars en matière d'antibiotiques. Donc C'est énorme, c'est c'est quand énorme. même, c'est énorme, et c'est uniquement les USA. Donc on peut imaginer un petit peu si on fait l'extrapolation et si on fait la somme de tous les pays du globe. Alors, si on veut poser une autre question, c'est-à-dire par rapport donc à cette question cruciale sur la résistance bactérienne aux antibiotiques, est-ce que c'est lié, c'est certainement lié au développement et à la recherche. Où en est donc la recherche et le développement en matière de nouvelles molécules antibiotiques, où en sommes-nous? Justement, selon le rapport, le dernier rapport qui date du 20 septembre 2017 de l'OMS, il cite qu'actuellement il y a 51 produits, je précise produits, 51 produits, dont des médicaments principalement. Je crois qu'il y a une quarantaine de médicaments ou une trentaine, plus 11 produits de biologiques, D'accord. il s'agit principalement d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux et de bactériophages endolysés. Donc sur les 51 nouveaux produits qui sont sur le plan études cliniques, c'est-à-dire ils sont de la phase 1 et certains qui sont en phase 3, c'est-à-dire qui ont vraiment une grande chance qu'ils soient D'aboutir. commercialisés Très bien. prochainement. Sur les 51 nouveaux produits qui sont en phase de recherche clinique, malheureusement, il n'y a que 8 vraiment innovateurs. D'accord. C'est-à-dire le reste, c'est association, c'est des études sur des associations d'anciennes molécules, soit carrément c'est des molécules nouvelles, mais qui appartiennent à d'anciennes classes. C'est-à-dire uniquement les 8 qui sont réellement de nouvelles molécules qui n'étaient pas connues auparavant et de nouvelles cibles. On parle d'innovation. Pour les 8 seulement. On D'accord. peut parler d'innovation uniquement pour les 8. On peut citer par exemple comme médicaments, on a 32 médicaments plus précisément, dont 11 sont en phase 3, donc qui sont quand même prometteurs. 11, ils peuvent dans le futur proche, peuvent être commercialisés rapidement. Par exemple, si on prend la tuberculose, on a 7 nouveaux médicaments, dont un, le préhépomanite, qui est en phase 3. Et pour le Clostridium difficile aussi, il y a 7 médicaments qui sont en étude clinique, dont le cadazolide, en phase 3 aussi, des essais cliniques. Donc pour les agents biologiques, pour les anticorps monoclonaux, on a par exemple 4 ou 5 anticorps monoclonaux anti-staphylocoque aureus, donc D'accord. 4 IgG et une IgM. La même chose, on a 2 anticorps monoclonaux anti-Pseudomonas aeruginosa, une IgM et une IgG. Alors, on a par exemple, 2 bactériophages endolysines qui, à la fin de leur cycle de croissance à l'intérieur de la cellule infectée, ils sécrètent ces endolysines qui sont des hydrolases qui détruisent le peptidoglycan, le principal constituant de la paroi D'accord. bactérienne. Le problème que nous rencontrons, ou qu'on rencontre les officinaux, et même un peu tout le monde, essentiellement les officinaux, peut être situé au niveau de l'automédication. L'automédication et l'antibiotique. Dans notre pays, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure également, l'ensemble des antibiotiques qui sont commercialisés dans notre pays sont inscrits dans les listes 1 ou les listes 2, et donc soumis à prescription. On constate malheureusement que sur le terrain,
peut-être du fait de cette extraordinaire avancée technologique due à la pénicilline au départ, que finalement les papas, les parents, les mamans, etc., pour une petite toux, viennent chez, au niveau de l'officine pour demander un antibiotique, une pénicilline pour calmer la toux, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que les gens ont été tentés de délivrer quand même ces produits. Est-ce que nous avons... des chiffres sur ces éléments? Est-ce que le ministère peut faire un travail de sensibilisation sur la question? Quel est votre avis sur la question? Bien sûr, et les chiffres, toujours, on n'a pas vraiment de chiffres exacts qui reflètent réellement l'ampleur du phénomène de l'automédication par les antibiotiques en Algérie. Il y a certaines études qui sont faites un peu partout à travers les différentes universités algériennes, dont une qu'on a réalisée en 2015 qui a été publié sur le BJMS et qui ne reflète pas réellement la réalité. On a pu obtenir quand même entre les 5 villes qu'on a étudiées, une prévalence moyenne de 12,6%. Mais à mon sens, ça ne reflète pas vraiment la réalité et l'ampleur de ce phénomène d'automédication en Algérie. Et certainement, je pense qu'en matière de sensibilisation, il y a quand même des efforts qui sont fournis par soit la tutelle, soit par les confrères à travers certaines associations. Mmh. Mais à mon sens, c'est vraiment trop maigre par rapport à l'enjeu important et le danger imminent auquel on fait face actuellement. Parce que réellement, on va dans quelques années, peut-être on va revenir carrément à l'ère pré-antibiotique. Oui, alors vous imaginez l'importance de la question. On parle souvent de... la surveillance de la consommation des antibiotiques comme étant un indicateur ou comme étant un élément qui pourrait contribuer au bon usage des médicaments. C'est donc cette surveillance de la consommation. À votre avis, comment voyez-vous une telle surveillance dans notre pays et comment pourrait-on impliquer les pharmaciens sur cette surveillance, au niveau de cette surveillance? Oui, c'est l'un des dynamiques qu'il faut favoriser, qu'il faut promouvoir et auquel on doit prendre notre part, parce que qu'on le veuille ou non, le pharmacien c'est l'un des piliers et l'un des maillons de la chaîne de soins. On est des professionnels de santé, donc on doit prendre notre part à ce sujet. Et en matière de travail de sensibilisation par exemple, les pharmaciens, à savoir la pharmacie hospitalière ou le pharmacien d'officine, en premier lieu d'abord on doit fournir des données concernant déjà la consommation en matière de volume de consommation d'antibiotiques. Parce qu'il y a actuellement, c'est prouvé, donc la relation, c'est une relation proportionnelle entre la consommation en matière d'antibiotiques et l'apparition de résistance. Tout à fait. Donc plus on consomme d'antibiotiques, plus il y a de résistance. Très bien. Donc on doit d'abord maîtriser cette consommation pour pouvoir maîtriser la résistance. D'accord. Et donc les pharmaciens peuvent apporter leur contribution, déjà en commençant par nous fournir des données concernant la consommation et bien sûr contribuer aussi dans l'usage rationnel de l'antibiothérapie. D'accord. Les données internationales qui ont été faites viennent de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui publiait son premier rapport en 2014 sur justement la résistance bactérienne aux antibiotiques, et qui qualifiait ce phénomène de menace grave d'ampleur mondiale. Donc, ce rapport se base sur les données de 114 pays. Les résultats de ce rapport, la question est la suivante, les résultats de ce rapport peuvent-ils être corrélés ou extrapolés aux données de notre pays? Bien sûr, certainement. On n'est pas à l'abri. Il faut se mettre une chose en tête, c'est que la résistance est un phénomène mondial. Aucun pays n'est à l'abri. D'accord. D'accord. Tout le monde, c'est tous les pays du monde qui sont touchés par ce phénomène de résistance. Il n'y a pas un pays qui est épargné par la résistance. Donc c'est un phénomène mondial, international. Là, c'est clair. Donc on n'est pas à l'abri. Et au contraire, on est parmi les pays peut-être qui sont où exposé. La résistance prend vraiment une sérieuse ampleur. Surtout que les efforts fournis pour la contrecarrer sont toujours maigres, ne sont pas vraiment de taille par rapport à cette problématique.
Et il faut vraiment qu'on soit conscient que surtout les professionnels en première position, donc c'est aux professionnels de la santé, qui doivent être d'abord sensibilisés et prendre conscience du danger réel de ce phénomène de résistance. Et ensuite, dans un deuxième temps, on doit se focaliser sur la population aussi. On doit utiliser tous les médias qu'il faut, que ce soit radio, TV. Très bien. Alors, on évoque les médicaments avec le secteur de la pharmacie. Il y a un autre secteur aussi qui est, à mon sens, je pense, très impliqué, c'est l'agroalimentaire. Dans le secteur agroalimentaire, un certain nombre d'antibiotiques qui nous parviennent via les viandes, les volailles, etc., cela impacte-t-il notre santé et influe-t-il des résistances bactériennes? Oui, c'est le phénomène qu'on appelle effet collatéral sur le microbiote intestinal. Donc effet collatéral sur le microbiote intestinal, d'accord. C'est-à-dire que c'est des résistances qui apparaissent sans qu'on le veuille. C'est pas une prise directe d'antibiotiques pour traiter une maladie commune. Mais malheureusement, comme il y a de l'antibiotique surtout dans les viandes, pas principalement les volailles, mais surtout chez nous, surtout c'est la volaille, le fait de consommer des antibiotiques veut dire aussi qu'il peut participer à l'émergence de nouvelles résistances. Parce que tout contact des antibiotiques avec des bactéries, ce qu'on appelle le microbiote intestinal, sera